Où sont ceux qui disent que le gouvernement camerounais a gratifié notre jeune petit frère Junior Gombe avec un concours de la police juste pour fermer sa bouche? Où sont-ils? Voici donc Junior Gombe qui vous donne, qui va nous donner, hein, les détails concernant ce concours de la police qu'il a obtenu. Écoutons attentivement. Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Voilà, parce que déjà, je tenais à remercier tous les Camerounais. Je dis bien tous les Camerounais, parce que je suis vraiment reconnaissant de ce que vous avez fait pour moi. Je tenais à remercier tous les Camerounais pour le soutien, que ce soit financier, que vous avez fait et tout autre. Vraiment, je vous remercie infiniment. Je ne peux pas vous mentir, je suis tellement reconnaissant. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique ou à la diaspora, tout ailleurs, je vous remercie infiniment. Et je remercie l'équipe d'avocats qui m'a vraiment soutenu. Je suis vraiment reconnaissant pour cela. Vraiment, merci encore beaucoup. Et je nécessiterai de vous remercier. Alors, depuis, je pense, 3 jours, je vois des gens en train de dire certaines choses qu'ils n'ont vraiment pas l'information. Je vais vraiment éclairer certaines personnes sur le concours de la police. Ouais, parce qu'il faut ça parfois. Alors, pour tous ceux qui disent que mon nom a apparu comme ça, détrompez-vous. Détrompez-vous. J'ai bel et bien fait le concours de la police. J'ai déposé le dossier. J'ai composé. Et ça, c'est mon nom qui est sorti là comme ça. Donc, ne pensez pas que mon nom est sorti là comme ça par hasard. Mon nom n'est pas sorti là par hasard. J'ai composé, j'ai déposé le dossier, j'ai composé. J'ai mon récépissé, j'ai même encore ce que j'ai rempli en ligne. Pour tous ceux qui ont fait le concours de police. Il y a ce que j'ai rempli en ligne. Et si vous voulez, même le moment venu, je vais vous montrer la salle et le plan sur lequel j'ai composé. J'ai composé la police. Donc, tout ce que les gens disent à côté là, vous n'avez vraiment pas l'information. Vous n'avez vraiment pas l'information. Je reste le junior que vous avez connu. Et avant d'avancer quoi que ce soit, j'aurais aimé quand même que vous attendiez la bonne information avant de dire quoi que ce soit. Je suis tellement reconnaissant de ce que vous avez fait pour moi. Mais aujourd'hui, à voir ce que les gens disent. Ce sont les réseaux sociaux, je ne peux pas empêcher cela. Mais rassurez-vous, j'ai composé la police. Je suis quand même aussi intelligent. Donc ne pensez pas que mon nom est sorti là par hasard comme ça. Donc je vous remercie encore infiniment pour tous ceux qui ont participé à ma libération. Je suis tellement reconnaissant. Je suis tellement reconnaissant. Que ce soit au Cameroun, en Afrique, dans tout le monde entier, en diaspora, je suis tellement reconnaissant. Je ne peux pas vous mentir. J'ai vraiment vu l'amour que vous avez pour moi. Je suis tellement reconnaissant, sans oublier aussi le propriétaire Mounaï, tous ceux-là qui m'ont soutenu, tous ces avocats qui m'ont soutenu. Donc, si vous voulez avoir la vraie information, j'ai toutes les preuves que j'ai composées, parce que les gens sont en train de dire des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, vraiment, si j'ai fait quelque chose de mal, veuillez m'excuser. Je reste le même junior, je reste votre petit frère que vous avez toujours considéré. Je vous remercie. Je vous dis comment j'ai fait pour faire ce concours. Je suis rentré au village, je faisais la moto. Je vous dis bien que je faisais la moto. Avant que tout s'en arrête, même JDCO, là, ils ne connaissaient même pas encore. Je faisais la moto, je partais dans les chantiers là-bas, pour ceux qui s'en valaient ce Cameroun, je faisais des chantiers. Même ma maman n'était pas au courant. C'est quand je suis rentré, je lui ai dit voilà mon récépissé. Je suis allé composer. Parce que depuis, je vois des gens mentir et tout, et où que là. Voilà mon récépissé, je l'ai gardé. Je n'étais pas obligé de venir dire aux gens que j'ai fait un concours de police, et où que là. Donc aujourd'hui, il m'appelait très que là, de toute façon, c'est ce que vous pensez. J'ai composé. Et il y a même des gens qui peuvent témoigner. Il y a des gens qui peuvent témoigner. Mais moi, je me demande où est-ce que vous connaissez ça. Voilà mon récépissé. En tout cas, je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Vous connaissez la partie qui va casser les côtes dans la vidéo aussi. Il dit que quand vous m'appelez traître là, je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Ouais, ce qui me voit dans le plus, c'est que les gars attendaient dans la vidéo, c'est que le gars disait que non, il ne veut pas quoi, Botengene pour la formation. Et puis les gars multiplient les directs. Oh, oh, vraiment, si tu es vraiment, garde, tente même pas de partir, ma chère. Oh, 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 oh. Ce que vous avez cotisé pour Junior Gombe là. Même si ça donne 20 millions. Vous pensez qu'il peut faire 2 ans avec 20 millions? Il peut vivre, gérer tout avec 20 millions. Ne confondez pas le beurre, c'est la réalité. Hein?
Le buzz, c'est que ça fait là, tout le monde est derrière toi. Dès que le buzz l'a fini, tu es face à ton destin. Tu cherches ça une place, mon ami. Ah, c'est un pitié intelligent. Ceux qui disent que je suis un traître là, je n'ai rien à vous prouver. De toute façon, je ne veux pas dire ce qu'il n'a pas dit dans sa vidéo. Donc, il n'a pas dit s'il va partir ou s'il ne va pas partir. Donc, à chacun d'analyser ses propos et de comprendre ce que lui-même il disait. Donc, ne venez pas dire que François dit que Julien Courbet a dit si. Donc, vous-même, nous avons écouté la vidéo ensemble. Donc, chacun va déterminer la conclusion selon son niveau de compréhension et selon ce qu'il a compris dans la vidéo. Les amis, nous sommes ensemble. Abonnez-vous. La vie, c'est le chemin. Abonnez-vous. Ne regardez pas quoi abonner. Abonnez-vous, les amis. Ça, c'est la chaîne de l'actualité. Abonnez-vous. Je vous l'offre. Partagez la vidéo, les gars. Contactez directement Yoko Service. Voilà, chers parents, faites comme Franco. Je suis bel et bien à Yoko Service. Ces parents qui n'ont pas assez de temps, commandez juste les fournitures scolaires de vos enfants et la livraison est faite à domicile. Surtout mes frères de la diaspora là, finis avec les anas, les oncles et les tantes. Il suffit juste de contacter Yoko Service et on vous livre à domicile. Vous êtes parents et vous voulez faciliter vos achats scolaires cette année? Yoko Service est là pour vous. Imaginez, vous inscrivez votre enfant à l'école et on vous remet une longue liste de fournitures scolaires. Pas de panique! Avec Yoko Service, vos achats scolaires n'ont jamais été aussi simples. Filmez simplement la liste des fournitures avec votre téléphone et transférez-la à Yoko Service via WhatsApp. Notre équipe se charge de tout. Constituez votre commande avec précision et soin. Et voilà, votre commande est livrée directement chez vous. Avec Yoko Service, facilitez-vous la vie et profitez de prix défiant toute concurrence. Yoko Service, imprimerie et papeterie. Contactez-nous dès aujourd'hui via WhatsApp pour des achats simplifiés et une livraison rapide.